Bonjour, c'est la variation 18. On se rapproche donc de la fin du cycle de 22 variations et c'est la dernière variation en mode mineur. Cette variation, c'est la variation de Brahms. C'est même tendresse, même douceur, même tonalité que l'intermezzo de Brahms. Même si peut-être je n'ose pas de jouer si sentimental, Rachmaninov. Comme personne, il n'était pas du tout sentimental. Plutôt, il préférait dans la musique de passer les endroits où on, comme public, comme interprète, on aimerait bien de rester pour le savourer, pour les garder. Mais non, il passe comme le temps. Comme le temps qui passe et n'arrête jamais. Une mesure que je joue maintenant est interrompue avec mezzo forte et avec le thème, comme toujours, presque dans les voix en intérieur. La main droite, dans cette variation, elle est très détaillée. Je vais jouer simplement lentement pour écouter tous ces mouvements, les petits mouvements, ces non-mouvements ronds qu'on connaît déjà, qui sont parfois liés dans les liaisons longues, parfois dans les petits. C'est les petits mouvements. Au bout de ces deux mesures, on a resté sur le même accord et sur le même hauteur, sur la même note avec laquelle on est parti, cette ré bémol-là. Et tout ça se cherche avec les vagues de la main gauche, les vagues qui sonnent un peu simples, un peu comme musique de film, si vous voulez.
mais qui ont d'autres amplitudes absolument que ce petit mouvement de la main droite. Et après, cette mesure 2, où tout ça s'est lié avec la mélodie du thème au milieu. Je joue aussi lentement, simplement pour écouter comment ça se trouve dans vertical, comment ça se correspond. Et à la fin de la variation, la main droite, elle continue de chercher avec les secondes. Chaque mouvement, c'est que le mouvement du chromatisme, de demi-tonnes qui montent, qui descendent. Et la main gauche a développé ces vagues du début dans une amplitude presque énorme. Dans trois notes, il traverse trois octaves. Et cette si bémol à la fin qui vient dans le piano, ça c'est la réminiscence des étoiles qu'on avait allumées au milieu de tout ça qui se passe, pour les voir, pour les écouter. Ici, l'étoile, c'est comme une petite cloche qu'on écoute.